Le Golden Retriever, de son petit nom Goldie, est réputé pour sa gentillesse, sa docilité et son intelligence. Le Golden Retriever ou simplement Golden est une race de chiens de Grande-Bretagne. Sélectionné comme chien de rapport, le Golden Retriever est une race très populaire depuis les années 1990. Il s'agit d'un chien de taille moyenne possédant une robe à poils longs, de couleur crème à doré foncé. C'est un chien de famille par excellence, mais aussi de travail, chien guide d'aveugle, de sauvetage, sa réputation n'est plus à faire. Doté d'un caractère exceptionnel, sociable, il est doux avec les enfants et aime s'investir dans la vie de ses maîtres. Alors si vous avez de la tendresse à offrir et du temps à lui consacrer, il vous le rendra avec une dévotion de tous les jours. Il sera sans nul doute le plus fidèle protecteur de votre foyer, le confident de vos enfants. Un membre de la famille à part entière dont vous ne pourrez plus vous passer. Le Goldie possède un physique puissant et équilibré, la tête, bien proportionnée, présente un museau large et des oreilles tombantes de taille moyenne. Les yeux sont de couleur noisette et bien écartés, lui donnant un regard franc et gentil. La queue, portée à hauteur du dos, est de longueur moyenne et jamais recourbée. Le poil est fourni et ondulé, mi-long, avec un épais sous-poil rendant la fourrure imperméable. La robe est de couleur beige à crème ou café au lait. Le bout des pattes est rond, les griffes de couleur claire. La truffe est noire et brillante. En fait, le Golden ressemble énormément à son cousin le Labrador, avec une fourrure plus longue, mais à l'inverse de ce dernier, les couleurs blanc, noir, chocolat et acajou ne sont pas admises. La race Golden Retriever est originaire de Grande-Bretagne. Des légendes traditionnelles racontent son histoire, mais l'on connaît en vérité peu de ses origines exactes. Le Goldie descendrait d'une lignée de bergers du Caucase à poils clairs, issus d'un couple de chiens achetés par Lord Tweedmouth en 1858. Par sélection successive, ne conservant que les chiots de couleur Golden, il aurait finalement obtenu des chiens à robe exclusivement dorée. Le Goldie est à la base un chien de chasse spécialisé dans le rapport du gibier d'eau, comme le Labrador ou encore le Terre-Neuve. Pour cette raison, il est naturellement attiré par l'eau. C'est un chien qui a vraiment besoin de compagnie humaine, il aime se rendre utile et participer aux activités de la famille. Ainsi, il est facile à éduquer car il adore faire plaisir à son maître et satisfaire ses attentes. Le standard de la race lui attribue de nombreuses qualités, docile, intelligent, doué pour le travail, amical et sûr de lui. Un chien en or apparemment. Mais attention, le Goldie a besoin d'exercices physiques réguliers et d'un accès à l'espace extérieur, à défaut, en appartement, il est crucial de le sortir au minimum 3 fois par jour, sinon 4. Dans le cas contraire, il risquerait de devenir plus difficile à canaliser, en raison de son trop-plein d'énergie. Côté entretien, le Golden Retriever requiert avant tout un brossage hebdomadaire, absolument nécessaire en raison de l'épaisseur de sa fourrure et surtout du sous-poil. En la débarrassant des poils morts, la peau du chien pourra mieux respirer. De plus, le brossage est un moment privilégié avec le maître, où le Goldie se sent totalement au centre de l'attention et c'est bon pour son moral. Outre les longues promenades, que l'on ne recommandera jamais assez, c'est une excellente idée de l'emmener nager si vous avez la chance d'avoir près de chez vous un lac ou une rivière, ou encore mieux, la mer. Vous verrez, le Goldie adore s'ébattre dans l'eau et rapporter bâton, balle ou frisbee, que ce soit dans l'eau ou sur la terre ferme.
Le Golden Retriever, tout comme le Labrador, est sujet à des problèmes d'embonpoint. Il faut donc veiller tout particulièrement à lui offrir un régime alimentaire adapté à son sexe, son âge, son mode de vie et son degré d'activité physique. On préconisera les aliments secs, croquettes, plutôt que la pâtée, souvent trop riche en mauvaise graisse. En revanche, la viande blanche et le riz peuvent constituer la base d'une bonne nutrition. La ration quotidienne, à fixer avec votre vétérinaire, peut être divisée en deux au cours de la journée. Afin que le chien soit moins tenté de quémander à table, par exemple, car il aura moins longtemps à patienter entre deux repas. En effet, le Goldie est très gourmand. Ne pas hésiter à lui offrir des os à mâcher ou autres friandises, qui l'occuperont et permettront de maintenir une dentition propre et saine. Le Golden Retriever ne doit pas être confondu avec le Labrador Retriever dont il diffère par son caractère plus indépendant. Le Golden Retriever, le Labrador Retriever et le Retriever à poil plat, flat-coated, sont trois races distinctes faisant partie de la même famille, les Retrievers. Des allergies de peau peuvent apparaître chez ce chien. Éruption de boutons, eczéma avec démangeaisons, rougeurs et croûtes doivent vous alerter. Si c'est une intolérance alimentaire, votre vétérinaire cherchera l'allergène alimentaire en question et adaptera le régime de votre chien. Le Golden Retriever est parfois affecté par des troubles locomoteurs. Il peut souffrir de maladies du système osseux et cartilagineux, arthrose, paralysie. En revanche, la luxation de la rotule est peu fréquente avec cette race de chien. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Thank you.